La voici, la surprise de Sabae pour l'équipe de France, Ludivine Furnon. Mesdames et messieurs, toujours un peu timide, malgré cette médaille de bronze obtenue au Japon. Mais le public la reconnaît. C'est déjà une marque de notoriété. La première Française médaillée au championnat du monde, petite Nîmoise de 15 ans qui s'est épanouie sous le soleil du Japon. Et maintenant, elle fait partie des grandes gymnastes que l'on remarque. Oui, salto arrière groupé. Désormais, il fallait jouer avec le public. Et c'est très bien comme cela. Ludivine Furnon qui se prépare pour les Jeux Olympiques d'Atlanta dans le centre de Saint-Gilles en compagnie de Laetitia Béguet, Elvire Teza, Cécile Canqueteau et bien d'autres. Équipe de France qui a réussi une année remarquable. Voici